Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette mignonne boucle d'oreille au crochet. Très très mignonne, avec deux couleurs de fil. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un crochet de 2 mm, d'une paire de ciseaux, de deux fils, d'une créole de 2,5 cm. De la colle éventuellement. Sans plus tarder, on va commencer par attacher notre fil sur notre créole, comme ceci. N'oubliez pas de changer le côté lorsque vous commencez votre deuxième boucle. C'est parti. On va commencer par faire une maille coulée, comme ceci. Ensuite, on va faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, on va faire une maille en l'air et puis on va retourner le travail. Dans la maille qui suit, on va faire une maille coulée. Dans la maille qui suit, une maille coulée. Dans la maille qui suit, une maille coulée, comme ceci. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter 2 mailles. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Donc, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On saute 1, 2, dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, dans la troisième. Maintenant, on va faire des mailles coulées. Puis, on va faire une maille en l'air. On retourne le travail. Dans la maille qui suit, on fait une maille coulée. Dans la maille qui suit, une maille coulée. Dans la maille qui suit, une maille coulée. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans notre espace, on va faire une maille serrée, comme ceci. Et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace qui suit, une maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5, dans l'espace qui suit, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, dans l'espace qui suit, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, on va faire une maille coulée ici, comme ceci. Et on va terminer avec des mailles coulées. Une maille en l'air et puis on a fini avec le premier fil. On va le couper. Puis on va le cacher. Voilà, on va couper. Maintenant, on va prendre le fil vert. Et on va venir ici. Comme ceci. On fait deux mailles en l'air. Une. Deux. Maintenant, on va faire 8 brides dans notre espace. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Maintenant, on va faire une maille serrée ici, comme ceci. Une maille serrée dans l'espace qui suit. Et puis, on va faire 8 brides dans notre espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille serrée ici. Une autre maille serrée dans l'espace qui suit. Et on va répéter et on va faire nos pétales dans chacun des espaces. On se retrouve juste après et on fait notre 8e bride. On a terminé. Maintenant, on va faire une maille serrée comme ceci. Une maille en l'air. Et on va couper le fil. Notre mignonne petite boucle est terminée. On va juste cacher le fil. Voilà,
Et quant au fil-ci, on va le cacher ici. Comme ceci. Et on va utiliser la colle. On va couper. Et puis on va aussi couper celui-ci. Voilà. Notre mignon boucle est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Elles sont très mignonnes, les boucles. Oh, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!